las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida, la mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida, ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Isadora, écoute, je te jure que je ne voulais pas. Oh, Isadora, tu dois me croire. Isadora, ne meurs pas, Isadora. Isadora, oh mon Dieu, elle ne réagit plus. Qui êtes-vous? Que lui avez-vous fait? Non, non, je ne lui ai rien fait, non. J'appelle la sécurité. Faisons-lui un électrochoc. Dépêchez-vous, mademoiselle. Tenez, docteur. Nous avons des pulsations, docteur. Ok, très bien, très bien. Et la tension, elle est comment? Normale. Très bien. Prenez ça, mademoiselle. Elle est bien, n'est-ce pas? Elle n'est pas morte. Dites-moi une chose. Ce ne serait pas vous qui auriez essayé d'assassiner Madame Isadora? Non, non, non. Moi, j'étais seulement venue la voir et... Attendez, vous venez bien de dire que... quelqu'un a voulu la tuer. Je ne comprends pas. Isadora a réussi, elle n'est pas comme ça parce qu'elle a voulu se suicider? Oui, elle a essayé de se suicider. Mais après qu'elle ait été hospitalisée, quelqu'un a essayé de l'assassiner en profitant de sa présence à l'hôpital. Et c'est pour cette raison qu'elle se trouve dans le coma. Et comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, quelqu'un est entré dans la chambre et lui a injecté un poison assez puissant. Tout simplement par intraveineuse, vous comprenez? Sans l'intervention rapide de cette infirmière, je crois que la dame serait morte. Excusez-moi, madame, mais dites-moi, qui êtes-vous? Oui, excusez-moi, je suis à bout de nerfs. Je m'appelle Moraima Ferrer. J'étais venue pour pouvoir parler avec Isadora Russiane, qui est le témoin clé au procès de Barbarita Blanco. Il s'agit d'un procès dans lequel j'ai été désignée comme procureur général. Vivi. Vivi. Vivi, où es-tu? Ah. Vivi. Oh, tu vas la fermer, oui, on dirait une gamine. Je souffre de martyre, tu sais. C'est insupportable. Comme si on m'avait battu. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, hein? Ils m'ont aussi ouvert pour m'enlever ce rein. Et ma plaie est plus grande que la tienne. Alors arrête de pleurer. On dirait qu'ils m'ont découpé avec un couteau, c'est dingue. Un couteau? Mais non, imbécile, tu délires ou quoi? Ils ont pas littéralement utilisé un couteau pour m'enlever le rein et ensuite te le refiler. C'est juste une expression. Il sait pas combien de dollars ça m'a coûté. C'est ça qui me fait le plus mal. Merci, vieux frère. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi. Moi non plus.
Bon, allez, essaie de dormir maintenant. Eh bien, après tout ça, j'espère qu'on va commencer à me voir au moins comme un héros. Et dire que je vais débarquer en plein procès comme la victime qui a le plus souffert à cause de cette meurtrière de Barbarita Blanco. Quand est-ce qu'elle va se réveiller, papa? Nous sommes en train de prier pour que ça arrive, ma chérie. Tu vas voir, Dieu va entendre toutes nos prières et je suis sûr que ta maman va se réveiller très rapidement. Je ne veux pas qu'elle meure. Non, 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 ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu crois que Dieu ne va pas écouter les prières d'une gentille fille comme toi? Dans ce cas, je vais prier très fort tous les jours. Je t'aime, maman. Réveille-toi, Isadora. Fais-le pour Valentina, je t'en supplie. Il faut aussi que tu te rétablisses pour assister au procès afin d'innocenter Barbarita. Je t'en prie. Eh bien voilà, je suis prête, Gaëtan. Tu es ravissante. C'est quoi ce nouveau look? Ah, ça c'est grâce à moi, je lui ai redit les cheveux. Tu trouves pas que ça lui va bien? Et moi je l'ai maquillée. Elle est toute coquette, hein? Trop belle. Vous savez quoi? Pourquoi ne pas profiter du tribunal pour se marier en même temps? Arrête! Je l'ai fait seulement pour faire honneur à Barbarita. Tu as bien fait pour que notre fille chérie sache, quand elle sera assise là-bas, qu'elle n'est pas seule. Qu'elle a sa famille au grand complet pour la soutenir. Exact. Oui. Tu sais, ce sont elles qui m'ont fait changer de look. Je me sens bizarre, mais bon. Toi alors? Et moi alors, vous en dites quoi? Attends. Tu me permets un petit instant? Vas-y. Je ne veux pas de grands sourires, je ne veux pas de scène, ni qu'on drague le juge ou l'avocat. Ou sinon, je vais m'énerver, je peux vous le jurer. Oui, je vais m'énerver, oui. Oui, personne ne va te laisser. Personne ne va te laisser. J'espère bien. Je veux que tante Barbarita voit comme je suis élégant. Comme moi. Bon, assez traîné, on ferait mieux. C'est exact, Barbarita nous attend. Allez. Oh, attendez, un moment. Une chose très importante. Faisons une prière, Sainte Vierge. Nous nous en remettons à vous. Ne nous laissez pas seuls. Et toi aussi, maman. Allez, allez, on y va. Non! Non, ne me laissez pas! Mes enfants! Encore un peu. Allez, arrête! C'est pas la peine de la maquiller autant, purée, elle va pas participer à un concours de beauté. Non, mais elle participe au concours de la vérité et du mensonge. Là où on fait que balancer des mensonges et où le juge ne dit que ce qui lui chante. C'est clair. Ah, patience. J'espère vraiment que je vais pouvoir faire honneur à tes talents et que je pourrai garder mon sang-froid. Oh, ma chérie, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. C'est pas patience. C'est Sakamuela. Va, tu vas t'en sortir, chérie. Tu vas t'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu portes dans ton ventre, ce petit bébé, chérie, c'est comme le moteur d'un avion. Et c'est pour lui que tu vas aujourd'hui même t'envoler en dehors de cette prison, d'accord? Bien sûr qu'elle va s'envoler, mais vers une autre prison. Celle de haute sécurité. Ciao. Vous êtes des oiseaux de mauvais augure. C'est bon, laisse. Même si vous dites tout ça, sachez que je vais quand même prier pour vous deux, la Sainte Barbara. Parce que, eh bien, tout le monde a le droit à une seconde chance. L'opportunité de redevenir des bonnes personnes, non? Ça, tu peux le dire, ma petite poule. J'arrête pas d'y penser depuis des jours, et là, je crois qu'on a toujours une chance de retrouver le bon chemin. Elle nous a même dit qu'elle allait s'inscrire à l'école des bonnes sœurs pour étudier, t'imagines? La Navarra avec sa grosse encyclopédie. Allez, arrête, c'est même pas drôle. Oh, lâche-moi. Non. Je crois que toi aussi, tu devrais faire la même chose. Moi? Oui, faire quelque chose pendant que t'es ici pour améliorer, disons, ta personnalité. Comme ça, quand vous sortirez d'ici, vous serez de meilleures personnes. Oh, non. Écoute, mademoiselle, je sais tout. Tu vas arrêter ton blabla parce que tu commences à me prendre le chou. J'ai l'impression d'entendre la mère supérieure. Bon, c'est l'heure, Barbarita Blanco. Ils sont venus te chercher pour ton procès. Comment allez-vous, maître? Ça peut aller, maître. Je vous souhaite bonne chance. Que le meilleur gagne. Que justice soit faite.
Allez, souhaite-moi bonne chance, ma petite puce. Hein? Oh, ma chérie, je voudrais tellement que tu t'envoles très loin d'ici et que tu sors très vite de cette prison, c'est vous tout. Vous êtes trop mignonne. Et pourquoi tu lui fais pas un petit bisou, sac à muelas? Écoute, tu ferais mieux de la fermer parce que sinon je t'arrache la langue et je te la fais bouffer. Tu m'as compris? Tu m'as bien entendu? On se calme, on se calme. Sinon, je vous enferme. Dégage. Ouais, calmez-vous, les filles, s'il vous plaît. Pas de bagarre. Vous me rendez encore plus nerveuse. Allez, courage, ma belle. Et montre-leur ce que t'as dans le ventre pour qu'ils voient qu'ils ont affaire. Ok. Donne-leur une bonne leçon, ma poulette. Oh, je vous adore. Lâche-moi. À plus tard, ma chérie, à plus tard. Chérie, écoute. Te laisse pas faire, ok? Et malgré ce que tu crois, tu es une force énorme, ma chérie. Alors ne te laisse faire par personne et garde la tête haute. Surtout la force qui te vient de ce petit... C'est justement à lui que je pense. Je sais que les gens de Barlovento et que tous les saints sont avec mon bébé. Avec nous deux. Bon, allez, ça suffit. Allez, ciao. Faut y aller, dépêche-toi. Allez, ciao. Ciao. Je les entends déjà. Estella. Oh, mon frère chéri, oh, mon frère chéri, c'est incroyable, quel beau geste, ce que tu as fait, formidable. Tu as donné ton vin à notre petit frère, quel beau geste. Et puis ma mère, Rodolfo, je n'arrive pas à croire que tu aies donné ton rein à Ray. En fait, je suis désolé que ce soit ton rein, ça n'aurait jamais dû être toi. Si elle savait que c'est pas le mien, et ça m'a coûté la peau des fesses. Et la grand-mère, enfin, Rodolfo... Je suis vraiment très fier de toi. Tu commences à ressembler à Miguel. Miguel, Miyuki, quel est l'intérêt de vouloir t'imiter? Tu n'en vaux même pas la peine. Ce qui vaut le coup, c'est d'enfoncer l'autre folle. Ça, ça en vaut la peine. Ah oui, si seulement tu n'avais pas à fréquenter cette fille. T'es en train d'en payer les conséquences. Et voilà tout. Et je vais te donner l'estocade finale, parce que je vais arriver comme un héros. Le sauveur de mon petit frère. Et je vais arriver au procès au moment crucial. Juste au bon moment pour vous montrer le véritable homme que je suis, je te donnerai l'estocade finale. Ce tribunal ouvre le procès de Barbarita Blanco Guaramato. Que l'accusé veuille se lever. Vous êtes accusé pour les délits d'usurpation d'identité de feu Madame Isabelle Vélez de Aristigueta. Elle va payer pour ta mort, petite sœur. Ça, je peux te l'assurer. Mais aussi pour l'enlèvement du mineur David Aristigueta Vélez, de vol envers la famille Aristigueta et de l'assassinat de Wilfried Melendez, comme mentionné dans le dossier respectif de chaque affaire que nous allons devoir juger dans ce tribunal. Comment va donc plaider l'accusé face aux charges qui lui sont reprochées? Ici Houston, États-Unis, je demande Caracas, Venezuela, tiers-monde. Attention, la conversation va commencer. Oh. Bon, alors raconte-moi la suite de la soirée chez ma cousine Cecilia, c'était bien dit. Tout à l'heure, ça a coupé, désolée, je suis contente que tu rappelles. Bon, raconte. Eh bien, comme je te le disais, il se trouve que ta cousine Cecilia dansait et d'un seul coup, des voleurs sont arrivés, ils ont fait feu. Elle a voulu s'enfuir, mais malheureusement, en tombant, elle s'est brisée le cou. Mais bon, c'est mieux comme ça, ma belle, parce qu'elle s'empiffrait encore plus que toi. Ça faisait une bouche en moins à nourrir, tu vois. Mais qui c'est? C'est Rodolfo. Et maintenant, je comprends pourquoi la facture de téléphone est énorme. Dès que je reviens, je vais te faire tout payer, t'entends? Rends-moi service et passe-moi ma mère. En fait, Madame Emma n'est pas là. Bon, alors passe-moi Estella, Miguel, ou le chien, n'importe qui, mais arrête de me parler parce que tu m'agaces déjà. Eh bien, il va falloir vous y faire. Est-ce que vous savez que votre fils David a été emmené au procès de Madame Isabelle? Enfin, je veux dire, de Barbarita. Mademoiselle Blanco, comment plaidez-vous pour les délits dont on vous accuse? Et Miguel, il ne vient pas? Mademoiselle, montrez un peu de respect pour le tribunal. Je viens de vous poser une question et je vous demande de bien vouloir y répondre. Comment allez-vous plaider pour les délits dont on vous accuse? Innocente ou coupable? Monsieur le juge, je vais plaider coupable. C'est pas possible, mais pourquoi elle fait ça? Je suis coupable du délit d'usurpation d'identité.
Mais pour les autres délits, je me déclare innocente. Je peux savoir ce que fait mon fils qui a moins d'un an dans le jugement d'une tueuse? Et qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? De quoi je me mêle, dis donc? De retour à Caracas, je vais m'occuper de toi et on va voir si tu fais encore ta maligne. Ah! Ah! Qu'est-ce que ça fait mal? C'est pas croyable tout ce qu'il faut faire. Pour obtenir l'amour et le soutien de sa famille, c'est pareil. C'est incroyable. Et à l'amour et... et tout ce qui me revient. Mes actions dans l'entreprise... que j'espère obtenir avec quelques intérêts. Si toutes les charges qu'on vous reproche ont un lien entre elles, comment est-ce que vous pouvez vous déclarer coupable d'une seule d'entre elles? Barbarita, écoute. Détends-toi un peu et réponds aux questions en toute franchise. Pour la charge d'enlèvement, je plaide non coupable. Elle n'a vraiment pas honte, Madame Bernarda. Elle n'arrête pas de mentir. Et le million de dollars qu'elle a demandé pour rendre David? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Madame Bernarda, je l'ai entendu. Pour la charge de vol, je plaide non coupable. Et l'argent que vous avez volé à David? Je rappelle à toutes les personnes présentes que vous pourrez seulement intervenir quand le tribunal ou les parties concernées vous le demanderont. Prends ça dans les dents. Aïe-toi donc. Continuez, s'il vous plaît. Et pour l'accusation d'homicide de Wilfried Melendez, là aussi je plaide non coupable. Et je suis en position de vous le démontrer, monsieur le juge. Je veux vous prouver que j'ai été une victime de Rodolfo Aristigueta. Je n'ai pas envie de discuter, Paula. Laisse-moi tranquille, ok? Et ne t'inquiète pas, je ne veux rien du tout. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si triste, dites-moi? Vous voulez que je vous serve ou vous voulez attendre, madame? Non, c'est inutile, non. Non, j'ai pas envie de manger quoi que ce soit, j'ai mal à l'estomac. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous vous sentez mal? Vous voulez que je vous prépare une tisane? Non, Paula, merci. Une tisane n'arrangera pas les choses. Un jus de fruits, alors? Bon, ok. Quelle belle journée. Oh, bonjour. Bonjour ma petite poupée bonjour. Adorée, tu as bien dormi? Enfin, nous allons petit déjeuner comme une vraie famille pour célébrer la vie comme il faudrait. Oh, maman, merci, s'il Paula. Te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que nous avons à célébrer? Gaëtan t'a quitté et tu en souffres encore. Et moi, ma vie est un vrai désastre. Eh bien, comme le show est terminé, je vais retourner dormir. Mais bien sûr que nous avons beaucoup de choses à célébrer, Vivi. Hé là, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ne pars pas comme ça, dis donc. Toi, tu vas rester ici. Nous avons beaucoup de choses à célébrer. Entre autres, mes enfants, parce que nous sommes toujours en vie et que nous sommes toujours ensemble. Et ça n'aurait pas dû changer. Oui, je sais, ça n'aurait pas dû changer. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mon amour. Mais je sais aussi que rien n'arrive sans raison. Maman, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut tirer une leçon de nos erreurs. Et toi, ma chérie, retiens bien une chose. Il ne faut pas pleurer les gens qui nous quittent. Crois-en mon expérience, souviens-toi. Mademoiselle Barbarita Blanco Guaramato. Vous êtes venue dans la demeure des Aristigueta en vous faisant passer pour Isabelle Vélez, l'épouse de Rodolfo Aristigueta. Est-ce vrai ou faux? Ils pensaient tous qu'elle était morte. Et je ne me suis pas présentée. Ce sont eux, les Aristigueta, qui ont cru que j'étais Isabelle. Alors reconnaissez-vous qu'à ce moment, vous avez profité de la situation? Étant donné que chez les Aristigueta, absolument personne ne connaissait la véritable Isabelle Vélez. Vous vous êtes fait passer pour elle. Oui, c'est vrai. Ils ne la connaissaient pas. Tout comme moi, je ne connaissais pas Rodolfo Aristigueta. Répondez uniquement à mes questions, ok? Est-il vrai ou faux que vous vous êtes fait passer pour Isabelle Vélez, oui ou non? Je proteste, monsieur le juge. Le procureur n'écoute pas les arguments de l'accusé. Ces arguments ne m'intéressent pas. Monsieur le juge, j'essaie simplement de comprendre pour établir ce qui s'est réellement passé. Objection rejetée. Répondez, mademoiselle. Oui. Je me suis fait passer pour Isabelle. Vous vous êtes présentée à la maison des Aristigueta avec un enfant.
Cet enfant, c'était le fils d'Isabelle Vélez et Rodolfo Aristigueta. Curieux, non? Parce que c'était les deux seules personnes qui pouvaient découvrir votre mascarade. Oui. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas hésité une seule seconde à échafauder ce plan d'usurpation. Laissez-moi vous expliquer. Et en premier lieu, il fallait tuer Isabelle Vélez, pas vrai? Tu es ma sœur. Oh, l'opération a été horrible, tu peux pas imaginer. Enfin, le plus important, c'est que tout aille mieux, non? Bien sûr, mais je te jure que si j'avais su que donner mon rein à mon frère allait être si traumatisant, j'aurais réfléchi à plusieurs fois avant de me laisser charcuter. Tu vois, j'aurais même accepté que ce soit Miguel qui donne son rein, mais ce lâche s'est désisté au dernier moment. Avec qui parles-tu? Avec Rodolfo. Rodolfo? Toi alors, tu es vraiment la mauvaise graine de la famille. Salut, Nena. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Comment as-tu pu faire ça à ta mère? T'envoler pour Houston et entraîner Raimondo en nous le cachant? Oh, maman, arrête de crier, passe-le-moi, je veux parler, arrête. Attends un peu, Viviana. Je comprends les raisons pour lesquelles Emma ne t'aime pas, tu sais ça? Tu te trompes, Nena. Après tout ce que je viens de faire, j'espère que... que ma mère arrivera à m'aimer au moins, disons, un quart de ce qu'elle aime, Raimundo et Miguel. Qu'est-ce qu'il y a, Miguel? Gaëtan, comme par hasard, j'ai trouvé ma voiture avec deux pneus crevés. Emma, ne me dites pas que c'est vous. Je ne vous aurais jamais cru capable de faire ça. Écoutez, Madame Bernarda, il fallait bien faire quelque chose, non? À moins que vous ne vouliez pas empêcher Miguel de continuer à défendre cette criminelle. Alors c'est ce que vous voulez? Franchement, Emma. Messieurs, s'il vous plaît, si vous désirez discuter entre vous, alors faites-le en dehors de cette salle. Dans le cas contraire, asseyez-vous. Monsieur le juge, l'accusé n'a pas encore répondu à ma question. Serait-il possible de continuer, s'il vous plaît? Que fait donc cet enfant au tribunal? Nous interdisons l'entrée des mineurs dans cet endroit. Bien parlé. Monsieur le juge, cet enfant, c'est le fils de l'accusé. C'est un mensonge! Dis-leur, Miguel. Tu sais mieux que personne que c'est un mensonge! Dites-moi donc une chose. Qu'est-ce qui se passe avec Rodolfo? Mais comment a-t-il pu emmener Raimundo pour faire une transplantation des reins aussi loin? Une chose si délicate, il ne s'agit pas de chirurgie esthétique. Maman, je t'en prie. Ou d'une simple opération des amygdales. Dites-moi quelle mouche l'a piqué! Écoute bien ce que je vais te dire. Tu aurais dû prendre plus au sérieux toute cette histoire. Tu ne vois donc pas l'importance et la gravité de la situation? Ton mari se trouve là-bas, prisonnier de ce fou de Rodolfo. Bien sûr que je prends toute cette histoire au sérieux. Ah bon? Je ne sais même pas où ils sont, mais Emma ne le sait pas. Bon, je m'en vais, j'ai des choses à faire. Mais tu ne vas pas partir sans rien manger, mon amour. Tu dois bien te nourrir encore plus qu'avant. Non, je ne me sens pas très bien, j'ai la nausée. Je une espèce de menteuse, tu vas assister au procès, hein? Allez, à vous. Non, j'irai seulement au procès si je dois témoigner. Je dis ça pour la famille du Hérisson. Ne t'inquiète pas, Hannibal. Ne t'inquiète pas pour la famille Hérisson. C'est pour cette raison que je n'y vais pas, pour ne pas voir Climaco. Au revoir. Mais tu pourrais au moins terminer de manger. Moi aussi j'y vais, parce que je crois que je dois également assister à ce procès. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas continuer cette romance avec ce singe alcoolique? Fais-moi Dis-moi. Plaisir et arrête d'être si vulgaire. Et respecte-moi. J'y vais. Je veux y aller pour soutenir Emma, voilà tout. Et fais-moi plaisir, termine de déjeuner. À plus tard. C'est très gentil, Paula, vraiment, mais je ne veux rien du tout. Ni manger et encore moins boire. Ne t'inquiète pas, je mangerai un truc plus tard. En plus, je suis super pressée. Ciao, Paula. Estella. Salut, ma belle. Je viens te chercher attends, parce que tu dois m'accompagner afin que je choisisse ma robe de mariée. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu as oublié que dans 10 jours je me marie, alors je dois m'en acheter une. Oh. Estella, il vaudrait mieux que tu ne fasses rien. Bon, d'accord. Je vais t'accompagner. Mm-hmm. Je vais t'aider à la choisir, mais... mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à faire un truc important. C'est en rapport avec mon bébé. Je suis la grand-mère de David, et j'exige qu'on le fasse sortir d'ici immédiatement. Cette jeune femme, monsieur le juge, a tué la véritable mère de cet enfant. Arrêtez de mentir, madame. Monsieur le juge, ma fille n'est pas une meurtrière. Silence!
Allons, taisez-vous. Une nouvelle interruption comme celle-là, et je fais arrêter le coupable pour manque de respect. Mon Dieu, ce bébé est mon neveu. J'exige que vous respectiez cette cour, où je vais me voir obligé de faire sortir toutes les personnes présentes ici. Sachez qu'il est interdit d'amener des mineurs au cours de cette audience. Et cela vaut aussi pour le jeune homme-là. Ne dis rien, viens. Étant juge dans cette affaire, j'exige des personnes présentes ici du silence, du respect et de la retenue. Un autre agissement similaire et je suspendrai l'audience. Excusez l'interruption, maître. Continuez votre interrogatoire. Merci, monsieur le juge. Mademoiselle Blanco, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi Isabelle Vélez aurait remis son enfant à une totale et complète jeune inconnue? La seule chose qui lui importait, c'était de sauver son fils. Que je le fasse sortir de la camionnette en flammes. Je voulais la sauver également, mais ce n'était pas possible. Et pourquoi cela? L'enfant était en train d'étouffer avec la fumée. Et il toussait. Les flammes devenaient de plus en plus grosses. Isabelle pensait seulement à protéger David. Quelle coïncidence, non? Quelle coïncidence que vous ayez été là. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez juste à cet endroit, Mademoiselle Blanco? J'étais en train de m'échapper pour essayer de sauver mon papa. Mon autre papa. Jean de Dieu. Parce que moi, j'ai deux papas. Oh, vous êtes décidément une jeune femme pleine de surprises. Maintenant, non seulement vous avez une double identité, deux pères, mais ce qui est le plus surprenant, c'est que vous avez également deux époux. Monsieur le juge, ça c'est pas vrai. Laissez-moi vous expliquer. Oh. Mademoiselle Blanco, il est de notoriété publique que pendant que vous étiez en compagnie de Miguel Aristigueta, vous étiez aussi avec le veuf de Madame Isabelle. Ce qui vraiment nous en dit beaucoup sur votre rectitude et vos valeurs morales. Monsieur le juge, Maître Ferrer continue encore à interpréter les choses. Maître Ferrer, s'il vous plaît. Mademoiselle Blanco, est-il donc vrai, ou bien faux, que vous vous êtes mariée à l'église avec Rodolfo Aristigueta? Même si maintenant vous déclarez votre flamme à son frère Miguel, oui ou non? Eh bien, le seul homme que j'ai jamais aimé et que j'aime de toute mon âme, c'est Miguel Aristigueta. Répondez par oui ou non. Oui. Oui, oui, mais Miguel sait bien que c'est son frère qui m'y a obligée. Prends ça, Samir. Merci beaucoup, Eduardo. Et c'est toujours le bienvenu. Écoute, je voulais encore te présenter mes excuses pour ne pas t'avoir donné le rôle que je t'avais proposé pour la pub. Il se trouve que je ne savais pas que le patron de Food Market avait déjà choisi Climaco pour être l'image de sa campagne publicitaire. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. Mais bon, appelle-moi si tu veux. Quand tu réaliseras un nouveau spot. Ah, mais évidemment, tu es le premier sur la liste des figurants. Si quelque chose de mieux se présente, je penserai à toi. Merci. Samir ? Viviana, tu veux quoi encore ? Rodolfo Aristigueta savait, et c'est bien, que Miguel et moi, nous nous aimons. Mais il se moque bien de tout ça. Ça, non, seul l'argent l'intéresse. Il a menacé de faire du mal à ma famille. Et de me séparer de David. Mademoiselle Blanco, quand vous vous êtes présentée devant le juge d'instruction, on vous a lu les charges pendant l'audience préliminaire. En présence du juge, du procureur et de votre avocat.
Vous avez déclaré que vous étiez une femme célibataire et que vous avez vécu avec votre famille pendant plusieurs années à Barlovento et que vos parents, ou mieux, je corrige selon vos termes, que le mari de votre mère vous a élevé parce que... Monsieur le juge, mais où veut-elle donc en venir ? Monsieur le juge, il s'agit seulement d'établir la crédibilité de cette jeune femme ici présente. Objection rejetée, maître. Mais j'espère bien que cette manière de l'interroger nous conduira à obtenir des informations pertinentes pour cette affaire. En résumé, vous avez dit lors de l'audience préliminaire que vous êtes née au sein d'une famille structurée, que vous étiez une jeune fille et une sœur exemplaire, une élève de premier rang, ce qui veut dire que vous êtes tout un exemple de vertu. Mais cependant, vous n'avez pas dit, ni lors de l'audience préliminaire, ni depuis le début de votre procès, ce que peut bien contenir ce nouveau rapport médical qui arrive tout droit de la prison nationale des femmes. Non! Non, s'il vous plaît, ne le dites pas. Vous n'avez pas le droit de le dire. Veuillez vous taire. Miguel, je voulais que tu sois le premier à le savoir. Je voulais te le dire moi-même. Mademoiselle Blanco, je vous demande de vous taire. Mademoiselle Blanco, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous vous trouviez enceinte? Oh, ma fille. J'ai vraiment été idiote. Explique-moi ce que ce traître fait ici. Oh, mais bien sûr, c'est vrai, j'avais oublié, ma belle. C'est vrai que ce traître travaille pour la concurrence. Estella... Arrête, je ne veux pas t'entendre, inutile de t'excuser. Sache que tu viens de chuter de très haut dans mon estime en travaillant pour la concurrence et en tant que figurant pour cette publicité de mauvaise qualité et horrible comme la coiffure de cette fille sans cervelle. Ça va pas, Estella... Qu'est-ce que Colossal fait ici? Hein? Dis-moi, Viviana. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je suis venue parce que j'ai besoin de te parler. Et je voudrais que ce soit en privé. De quoi tu veux parler? De ton ex-employé ou de l'homme qui nous intéresse toutes les deux? De l'homme qui nous intéresse toutes les deux. Je viens de parler de Climaco. Les gars, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Je n'en ai pas pour longtemps. Fermez la porte, merci. Je t'écoute. Estella, attends, s'il te plaît. Oh, laisse-moi! Ne me touche pas! Arrête, Estella. Quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que tu es très fière d'être le nouveau modèle de Foot Market? Eh bien, ça ne m'intéresse pas! Figure-toi que ce machin, c'est le concurrent direct de Colossal Funchal. Et ce que tu as fait, c'est une trahison! Estella, moi, je cherchais seulement une façon de gagner un peu plus d'argent et regarde. Je t'invite à dîner. Quoi? Avec ça? Ça paiera à peine quelques hot dogs, mon chéri, parce que dis-moi quel restaurant prendra ça. Arrête, Estella, tu veux bien, ce n'est pas drôle. Je veux juste te dire quelque chose de très important. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir épouser Omar. Allez, accepte mon invitation, tu veux? Ne me touche pas! Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit avant. Pardonne-moi. Et voilà, monsieur Miguel Aristigueta, comme vous venez de l'entendre, mademoiselle Blanco attend bien un enfant. Monsieur le juge, je crois que cette information n'apporte rien à cette affaire. Maître Ferrer, continuez et merci d'être plus précise quand vous posez vos questions. Merci. Là où je veux en venir, messieurs, dames, c'est que cette jeune femme a concocté tout un tissu de mensonges. Elle était mariée à Rodolfo Aristigueta tout en étant la maîtresse de Miguel Aristigueta. Avec la circonstance aggravante d'avoir une relation proche avec le défunt Wilfried Melendez, qui a été assassiné et qui l'a courtisé à Barlovento, d'où ils viennent tous les deux. Monsieur le juge, le procureur continue à interpréter les choses. Permettez-moi de finir, monsieur le juge. Là où je veux en venir avec ces questions, c'est que tous ces arguments mettent en doute l'honneur et par la même occasion, la crédibilité de notre accusé. Alors j'exige, mademoiselle Blanco, que vous nous disiez si vous savez de qui est ce bébé que vous attendez. Je ne le fais pas pour moi, tu peux me croire. Et moi, je ne vois pas l'intérêt de discuter avec toi, Viviana. Et encore moins de mon copain. Sache que pour lui, tu es devenue old-fashioned. Jessica, si je te dis tout ça, il faut que tu saches que ce n'est pas de gaieté de cœur. Je suis obligée de le faire. Mm-hmm. Parce que je sais, et je ne pense pas me tromper en te disant ça, je sais que ta relation avec Climaco n'est pas basée sur l'amour. Oh non, Vivi, s'il te plaît, épargne-moi donc toutes ces belles phrases. Sache que j'en ai horreur. Si tu veux parler de Climaco, sois direct. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, alors je vais être franche. Tu veux la vérité, tu vas la voir.
Je veux que tu laisses Climaco. Quoi? Attends une seconde. Non, mais ça c'est vraiment pathétique. Tu sais ça, Viviana? Non, mais quel manque de dignité, de mendier. L'amour d'un homme qui ne t'appartient plus. Non, ce n'est pas ce que mon cœur ressent. Ah oui? Tu sais que si Climaco est avec toi, c'est parce que je l'ai laissé faire. Et tu sais aussi que derrière tout ce qu'il dit ressentir pour moi, il n'y a que de la rage et de la jalousie. Ah, je comprends mieux. Ses ressentiments lui font le plus grand bien, Viviana. Et moi, je n'ai pas l'impression que tu lui manques. Je ne suis pas venue ici pour parler de ton intimité avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle, quoi? Tu es une femme qui a passé la bague au doigt. Et tu voudrais en plus Climaco pour l'avoir comme un animal de compagnie ou comme un nouveau jouet pendant que ton petit mari récupère. Tu veux vraiment le savoir? Alors laisse-moi t'expliquer et tu pourras y réfléchir. Mais peut-être as-tu peur de ce que j'ai à te dire? Ah non, Miguel, essaie de te calmer. Ça ne sert à rien du tout de réagir comme ça. Au contraire, il faut essayer d'arranger les choses autrement. Alors du calme. S'il te plaît, Miguel. Ne rends pas les choses encore plus compliquées pour Barbarita. Allez, viens. J'ordonne le silence dans cette salle, ou je suspends le procès. Assieds-toi. Mademoiselle Blanco, répondez à la question que l'on vient de vous poser. Dites-nous qui est le père de cet enfant. Celui du seul homme que j'ai aimé dans ma vie. De Miguel Aristigueta. Et pourquoi ne serait-il pas celui de votre prétendu mari? Dites, celui avec qui vous avez partagé la chambre et le lit chez les Aristigueta? Ou alors encore mieux, celui de Wilfried Melendez. Oui, son complice dans l'affaire d'enlèvement du petit David. Parce qu'il se trouve que M. Rodolfo Aristigueta l'a accusé et signalé, vous devez le savoir, comme votre amant. Mais ce n'est pas vrai! Je veux que vous respectiez ma femme! Non, Miguel, je t'en prie, Miguel. Calme-toi, ça suffit, prie. Maître, arrêtez tout votre cirque maintenant! Pourquoi harcelez-vous ma sœur comme ça, hein? Elle vous a dit qu'elle n'a rien fait à Wilfried Melendez. On devrait vraiment vous enlever votre diplôme d'avocat. Monsieur le juge, quel genre de procureur est cette femme, hein? Pourquoi vous ne lui retirez pas l'affaire? S'il te plaît, mon fils, calme-toi! Je ne me calmerai pas parce que c'est injuste! Oui, c'est très injuste! Laissez-moi vous poser une question. Vous allez laisser cette femme continuer à insulter ma sœur? Tout ça parce qu'elle connaît la loi sur le bout des doigts, hein? Ma sœur n'est pas la criminelle que vous croyez. Vous l'avez déjà jugée ou quoi? Climaco, je t'en prie. Bon, ça suffit. Vous commencez à dépasser les bornes, jeune homme. Faites sortir cet individu d'ici immédiatement. Non. Sinon, je suspends ce procès. Arrête, contrôle-toi, je t'en supplie. Vous faites fausse route, Barbarita est innocente. Il y a des voleurs et des assassins en plein des rues. Vous êtes en train de perdre votre temps. Non, laissez-le. Arrêtez. Ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, Barbarita? Pourquoi tu ne m'as pas dit que nous allions avoir un bébé? Écoute, Viviana, avant que tu ne commences ton show, laisse-moi t'expliquer comment fonctionnent les hommes. Si tu ne fais rien pour les garder, alors ils n'hésitent pas à aller voir ailleurs. Et quand ils voient que le parc d'attractions voisin a de meilleurs manèges, alors les balançoires de la place ne leur font plus aucun effet. Et ici, c'est Disneyland, Vivi, le nouveau parc. Écoute, Jessica, j'avoue que je ne voulais pas que notre conversation prenne cette tournure. Enfin, bref. J'avoue aussi que j'ai failli marcher dans ta combine. Mm-hmm. Mais ce que je veux te dire est tellement important et tellement sérieux que je ne veux pas que nous ayons une discussion à la légère. C'est peut-être une discussion à la légère pour toi, Viviana, mais pour moi, non. Climaco est à moi. J'adore ce mec basané. Alors je ne laisserai personne me le prendre. Je suis enceinte, Jessica. J'attends un enfant de Climaco. Estella, réfléchis un peu. Comment feras-tu une fois que tu auras épousé Omar? Une fois que tu seras sa femme? Estella, sache que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Non, il n'y a pas que l'argent, mais bon, ça aide bien, tu sais, mon amour. Tu ne voudrais pas que je vive notre amour en dessous d'un pont, quand même. Et pourtant, j'avais été très honnête avec toi, Samir. Écoute-moi, c'est ça qui me fait peur, Estella. Ton goût pour l'argent. Ah oui? Et alors? Tu veux qu'on s'en aille dire la vérité à Omar? Ah, Samir et moi, nous nous aimons. Nous allons habiter une jolie maison et nous allons avoir beaucoup d'enfants. Quel bonheur! Arrête un peu. Pour toi, ce qui est plus important, c'est l'argent, pas l'amour. Oui, et alors? J'adore l'argent, bonhomme, j'adore! Je suis habituée à vivre dans le confort, alors accepte-le! Parce que quoi qu'il puisse arriver, je vais épouser Omar! Estella, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est rien, j'étais malaise. Comment, un malaise? Oui... Bon, tu vois l'état dans lequel tu es. Je suis sûr que c'est à cause de ce mariage avec le cheikh. Estella, tu sais bien que j'essaye d'être indépendant. De lutter pour notre amour. Et pour toi, Estella, sache que je suis capable de redémarrer à zéro. Jessica, c'est quelque chose de très important, de très sérieux.
Je ne dirai jamais quelque chose comme ça juste pour garder un homme. Je t'en prie, s'il te plaît, tu dois vraiment croire. Écoute, Viviana, je ne croirais même pas à une échographie. Tu veux juste me reprendre Climaco, hein, c'est ça? Jessica, je suis enceinte, j'attends un enfant. Mais enfin, Viviana, non, ça ne peut pas être Climaco. Ça doit être celui de ton époux, t'es mariée. Oui, en effet, ça se pourrait. Mais non, ce n'est pas lui pour une bonne et simple raison. Mon mariage avec Raimundo n'est jamais allé plus loin que devant l'hôtel. Climaco a été le seul homme de ma vie. S'il vous plaît, mademoiselle Blanco, pouvez-vous expliquer à cette salle la raison pour laquelle vous avez assumé l'identité d'Isabelle Vélez? Eh bien, elle voulait sauver la vie de son bébé. J'ai fait sortir le petit David de la camionnette et après elle a explosé. Quand je me suis réveillée, l'enfant pleurait. Moi, j'étais dans un hôpital. Là-bas, Miguel m'appelait Isabelle. Tout le monde m'appelait Isabelle. Vous voulez dire que ceux qui vous ont pris pour la mère de l'enfant, c'était cette famille et les gens de l'hôpital? Oui, c'est ça. Alors pourquoi n'avez-vous pas dit à ce moment-là que vous n'étiez pas Isabelle Vélez? Eh bien, parce que tout le monde m'appelait comme ça. Et Wilfried Melendez était en train de me poursuivre pour me tuer. L'enfant se retrouvait sans défense. Sa mère était morte et je n'ai vraiment rien pu faire pour la sauver. Je n'avais jamais eu aussi peur. Et j'ai essayé de leur dire que je n'étais pas Isabelle, mais personne ne m'a cru. En fait, ils pensaient que je délirais. Après, j'ai essayé de m'enfuir de la demeure des Aristigueta, mais il y avait toujours ce Wilfried qui me cherchait. Mademoiselle Blanco, vous avez tué Wilfried Melendez parce qu'il voulait vous obliger à être avec lui. Non, je ne l'ai pas tué, je n'ai jamais tué personne. Mademoiselle Blanco, avez-vous eu une relation, disons, sexuelle avec Wilfried Melendez? Non, jamais. Mademoiselle Blanco, votre mariage avec Rodolfo Aristigueta a-t-il été consommé? Non. Mademoiselle Blanco, je vous pose encore une fois la question. De qui donc est cet enfant que vous attendez? Je vous l'ai déjà dit. Cet enfant ne peut être que celui de Miguel Aristigueta. Parce qu'il n'existe pas d'autre homme dans ma vie, et il n'y en a jamais eu. Maître Liscano, Monsieur le juge, Maître Ferrer, j'ai offert à Miguel Aristigueta, à l'homme que j'aime, ma virginité. Siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver la sed.